De la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser? Alors là, y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à Calme. En effet. Partons. Premier pas vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va, les gars, c'est parti! Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Final Fantasy VII Rebirth sur PlayStation 5, édité et développé par Square Enix, sorti officiel le 29 février 2024, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Première chose que vous pouvez remarquer, j'ai laissé bien sûr quelques cinématiques avant de passer dans une phase de gameplay. C'est incroyable. Les FX, la qualité graphique est vraiment fantastique, on est sur, selon moi, le jeu le plus beau de la PS5 à ce jour, sans contestation. Le gameplay est exactement le même que son premier volet. Il y aura 3 chapitres pour ce Final Fantasy VII, en reprenant la théorie des 3 CD que l'on avait connus dans la version de 1997. Et, bizarrement, on est quand même encore, selon moi, dans l'épopée qui se déroule durant le premier CD. En parlant de nouveautés, nous pouvons donc récupérer différents collectibles et consommables, car dans le menu se trouve la synthèse, comme une sorte de table d'alchimie. Vous allez pouvoir comboter, mélanger, fusionner les différents objets trouvés pour créer notamment des potions et autres. Toujours en compagnie de Clad et de son équipe, oui, excusez-moi, je dirais Clad, C-L-A-D, trop habitué à la version de 97, même plus de 20 ans après, j'ai énormément de mal à dire Cloud. Pour vous faire un rapide topo de la situation, nous avons donc dû fuir la ville de Calme, qui, après les péripéties du premier volet, la Shinra est activement à notre recherche. Par le bouche à oreille et sous conseil avisé d'un éventuel membre de Avalanche, nous devions donc fuir la ville et aller trouver refuge auprès d'une ferme non loin de la ville. Parmi les autres nouveautés ajoutées dans ce volet, nous avons les attaques synchronisées. Vous pouvez désormais, avec les personnages qui vous accompagnent, après avoir grandement complété leur barre d'action, effectuer des attaques en binôme, ces dernières d'ailleurs qui ont différentes finalités, comme des attaques de type protection pour toute l'équipe, ou des gros bursts directement focus sur l'adversaire.
Rebirth emprunte un chemin d'appréhension tout à fait autre que son prédécesseur. Comme vous allez le voir, je me suis quelque peu spoilé, mais j'ai l'impression qu'un précédent jeu de Square Enix, appelé Forspoken, était là un petit peu en mode crash test pour s'adapter à ce Final Fantasy VII Rebirth. N'ayez crainte, je sais le bide que ce jeu a fait, mais voyez juste la similarité avec le fait que ce jeu sera donc plutôt un open world plutôt qu'un jeu à ses couloirs linéaires comme dans le remake. Vous aurez différentes activités annexes de recherche et de chasse pour ensuite compléter toute une zone à 100%. Libre à vous de la faire si vous voulez clairement augmenter votre gain d'expérience par rapport à l'histoire et à la progression du storytelling, mais si vous voulez également, dans votre âme de Trophy Hunter, remplir les zones à 100%. Parfait. Bon, nous arrivons donc à cette fameuse ferme. Vous voyez, avec la petite boussole en haut, si ce n'est même suivre les essences même de Mako qui vous servent de guide quand vous vous rapprochez d'un objectif, voyons ce que le fermier va avoir à nous dire. Vous inquiétez pas, je suis un camarade de Broden, à Calme. Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Très bien, notre promenade n'est pas encore terminée. Alors continuons notre chemin pour voir ce qui nous attend. Se croise à nouveau. Ah, quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépanné. Mais non, c'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh. Dites donc, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il y aurait pas un endroit discret ? Un endroit discret, tu dis ? Après tout, c'est bien normal de succomber à ses passions quand on est jeune. Ah, je sais, du côté des marécages, il y a un vieil embarcadère. Il y a personne qui va traîner dans ce coin-là. Mais je crois bien que c'est parfait comme endroit. Hormis le fait que Bill pense que Clad veut se taper un trisome avec Tifa et Aerys, ce serait... je serais pas contre l'idée, mais je pense pas avoir téléchargé le bon jeu. Faut avouer une chose, le chara-design de Bill, le détail du personnage, le faciès, c'est clairement un des plus beaux personnages que j'ai vu dans l'histoire du jeu vidéo. Vraiment, c'est... ce FF7 Rebirth tient clairement ses promesses et mérite ses 20 sur 20 en termes de qualité et en termes de DA. A savoir que le jeu a obtenu 92 sur 100 sur Metacritic. Ouais, donc là on m'apprend les fameuses attaques synchronisées que j'avais vues dans les trailers, mais il va falloir attendre que ça charge. Parfait. Chaque adversaire, bien sûr, aura un élément de faiblesse, enfin, pour 90% des adversaires. Une fois la faiblesse connue, activez-la, il va rentrer en mode faiblesse, ce qui fait que le liseré orange que vous voyez en dessous de sa barre de vie va progresser beaucoup plus rapidement. Une fois atteint complètement, comme vous pouvez le voir, c'est l'état de choc. En état de choc, il prend beaucoup plus de pourcentage de dégâts, et la plupart de vos coups sont critiques. Ah, j'avais raté ma première arme du brave, celle-là tu l'as pas loupée. Allez, on continue. Ouh, le coffre qui shine au loin, ça, je t'ai vu. Oh, tiens, une épée pour Clad. Ah oui, non, mais elle fait nettement plus mal. Qui dit nouvelle arme aussi dit nouvelle attaque. On va voir rapidement ce que ça vaut. Je crois pas.
pas que la Shinra soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithrid, on arrive à Junon, hein? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager! Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgardzorm. Oh-oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Des chocobos, ça te va? Allez! Allons demander. Autant le jeu est bien fait, autant je ne peux m'empêcher que dans cette nouvelle version Remake Rebirth, Tifa et Aerys passent pour des cruches, c'est incroyable quoi. Enfin, je préférais le côté un peu timide. Certes, Aerys a toujours été un peu rentre-dedans avec Lad, même si on sait que son amour éternel restera Zack. Je sais pas. Tifa, ça a pas l'air d'être la même que dans la version 97, quoi. Ça me fait bizarre. On est vraiment aussi après sur un mode très, très Dream Story, quoi. Ah ouais, mais carrément. Ça me fait trop mal. Ah, mais j'ai perdu mon ancienne attaque. J'ai perdu mon choc. Ah merde, peut-être qu'il faut la jouer un petit peu plus longtemps, qu'il y a un aspect encore de maîtrise et qu'il faut jouer l'arme un certain temps. Bref, je verrai ça avec le temps. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé ? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardzorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. Très bien, et bien, allons voir l'écuyer de Chocobo. Tiens, salut! On a vu l'annonce. On a besoin de Chocobo pour les marais. Alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux? Tous nos Chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein là pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus alloués. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêt à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien? 10 000 par personne. Désolé, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1 000 guilds. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors, en fait,
Un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Ouais, en réalité, on fait les larbins. Hein. On fait quelques missions qui n'avaient pas été ajoutées dans la version d'origine, histoire juste de meubler un peu le jeu. Même si en soi, attraper et dompter un chocobo fait partie intégrante de la plupart des Final Fantasy. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie ? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein ? Ouais. Donc, dans mon ATH en bas, j'ai juste la roulade pour me déplacer. Faut juste pas me faire voir, quoi, du coup, en fait. C'est sympa comme jeu, c'est drôle. C'est long, mais c'est drôle. Il vient à peine de se tourner, normalement je peux gratter, non ? Oh, il s'est tourné au moment où j'ai engage, quelle horreur. On va recommencer, hein. Bon, là on va attendre le temps qu'il faut pour être sûr, hein. Allez, c'est bon, on y va. Mais il est focus complètement sur moi, là, il me lâche pas du regard. Ouais, il me suit du regard, ouais. Il fait la Joconde, là. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire, on va prendre des leurres. Regarde le joli caillou. Eh ben voilà. Il est même plus costaud, en fait. On peut le monter ? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter, s'il a retrouvé son calme. C'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors.
Wow, avec toutes les infos qui tombent quand même, pour faire ce test, je vais sûrement faire des fondus enchaînés. Bref, si vous voyez des fondus au noir et des transitions, vous étonnez pas, c'est que j'ai dû au moins faire presque 2 heures de recording, quoi. Parce que généralement, j'essaie de pas dépasser les 30 minutes, mais c'est quand même vachement long. Comme vous avez pu le voir, voilà, c'est ce que je disais, ça a été confirmé. Le côté un peu Forspoken à remplir diverses conditions dans la map pour ensuite aider aux recherches, et bien c'est ce qu'il faudra donc faire si vous voulez compléter 100% du jeu. Pour mener ce projet de recherche, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, de toute façon, comme vous l'aviez vu précédemment, on était sur le territoire du Midgar Zorm. Vous vous rappelez dans la version 97, quand Clad marchait sur l'eau et qu'il y avait cette silhouette qui pouvait nous pourchasser et qui était largement plus rapide que nous. Ok, ben du coup, on en est à la scène où est-ce qu'il va y avoir les chocobos et on va pouvoir traverser sans avoir à la rencontrer. Et à notre retour, est-ce qu'il va y avoir la fameuse scène où est-ce que Sephiroth serait passé par là et que le Midgar Zorm va se retrouver empalé sur un arbre? Donc on est clairement encore vraiment dans l'épopée du CD1, hein. C'est bien ce que je disais au début. Quand j'y repense, c'était quand même assez drôle dans la version 97 d'introduire certains monstres qui étaient bien plus puissants que nous. Vous vous rappelez de l'arme Ruby, cette espèce de tout petit ver de terre d'asticot qui dépasse du sable et dès qu'on le voit, ben, en fait il fait 3 mètres, enfin qu'est-ce que je dis 3 mètres, il fait 7 mètres de haut et il te démonte ta gueule la première fois que tu le rencontres. Square Enix a toujours eu le chic pour mettre en évidence ce genre d'ennemi qui te détruit la gueule. Bon, en tout cas, je sais pas où la mission m'amène, mais elle a l'air d'être plus loin que l'escalade que je suis en train de faire. Est-ce que je serais pas en train de faire un truc secondaire? Parce que là, j'ai l'espèce de phénix rouge là qui m'indique un chemin. Fantastique! Vous avez découvert un puits de vie. Utilisez votre terminal pour l'analyser. Vous aurez alors accès au savoir de la planète et obtiendrez des informations sur la région. Donc effectivement, ça fait partie des données à récolter pour Chadley. Il y a un aspect un peu, quand on est indiqué par un PNJ ou un décor de mission qui vous guide, on avait l'essence de Mako. Et maintenant, il y a même des oiseaux qui peuvent vous indiquer le chemin. Oh bordel, tout ce qu'il y a à faire! Vous avez vu tous les petits points là à faire? Ah ouais, non mais là, ouais, ça va vraiment me prendre mais des heures à finir ce jeu en fait. Je parle pas de la trame scénaristique, hein, mais si vous voulez vraiment faire tout l'environnement, eh bien, armez-vous de patience. Allez, enfin, le point d'eau. On va pouvoir enfin traverser à dos de chocobo. Parce que rappelez-vous, on n'est pas mieux qu'à dos de chocobo. Si vous avez la ref et que vous avez envie de me donner une baffe parce que vous en avez marre de Prompto, je peux vous comprendre. Pardon, mais ça nage super vite, cette volaille. C'est pas normalement le chocobo bleu qui pouvait aller... Ah mais non, c'est vrai, ouais, le Midgar Zorm, l'eau était, dans la version 97, trop basse. En fait, on avait forcément pied. Normalement, dans les eaux profondes, c'est le chocobo bleu qui peut nager. Encore des données pour Chadley. Bon là, en même temps, des pierres shiny, ça se voit à 3 km. Bien sûr, marcher sur l'eau, si on fait abstraction du chocobo noir et doré, hein, vous savez, avec la reproduction de chocobo qui nous permet d'en avoir un plus EP que le précédent, etc. C'était tout un délire, ça, le permis de saillie des chocobos. Au cœur de celui-ci doit reposer un cristal géant renfermant le savoir et la connaissance de l'espère correspondant. Trouvez ces hôtels et analysez ces cristaux afin de me permettre d'accroître la puissance de vos matérias d'invocation. Ok, ça m'indique vers le haut, mais moi j'en ai vu un de l'autre côté encore. Il va sûrement m'indiquer le même chemin. Et effectivement, allez, on va escalader alors.
Je me demande si par contre l'animation d'escalade n'est pas lente pour faire exprès que le jeu soit long. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'appréhension en fait du jeu et du temps à donner à ce que l'on fera du jeu ou pas, même dans la trame principale, bah, le fait de passer d'un endroit à l'autre, en fonction de la vitesse accordée, bah, ça rallonge clairement le temps de vie du jeu. Ah oui, cet amas est gros. Donc ça concerne Titan. Très bien. Ah d'accord, mais c'est un rythme, je dois appuyer au bon moment. Non, sympa, sympa comme jeu, sympa. Bon allez, là il serait vraiment temps de terminer cette quête principale et de finir ce test. Red 13 sur le chocobo, c'est vraiment épique. Regardez. Ça c'est Féroce. T'es sûr? Suivons-le. Ouais bon, ben, c'est Féroce ou pas, malgré le fait que je t'adule. Il y a d'abord un coffre, donc tu permets. En plus, c'est les hommes, c'est les expériences ratées là. Donc ça veut dire qu'on pourra sûrement pas interagir. En tout cas, je vois pas ces virus. Voilà, c'est rien du tout. Il est là, il fait rien, très bien. Oh là là, mais je suis subjugué par le level design, les chara design, la DA. Sans compter la musique, hein. Quand on est un studio capable de faire reconnaître, ou même qu'un grand compositeur est capable de faire reconnaître, plutôt, ouais, voilà, plutôt dans le sens, un studio comme Square Soft devenu Square Enix, bien entendu je parle de Nobuo Uematsu entre autres, bah on peut être que conquis par les musiques. Ça après, marcher sur le Midgar Zorm, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et allez, c'est l'heure du duel. Ah ouais non, par contre ça barre de... Oh, la barre fatigue pour amener au choc. Oh mon dieu, la longueur que ça va être ce combat. J'espère que je vais avoir le temps de faire au moins une attaque synchronisée, quoi. Parce qu'en fait, il se peut que l'un des personnages puisse la faire, mais que l'autre n'ait pas encore sa barre au maximum pour pouvoir la faire, en fait. Donc ça, c'est assez... Ça me mène souvent en erreur, quoi. Ouais, R13, il fait quand même très très mal. On va laisser Aerys faire du soin à distance. On va garder nos deux cacs
à lui burster la gueule comme jamais. Excusez-moi, il passe en P2. J'ai un mauvais pressentiment. Gardons nos distances. Oh, ça va. En fait, j'avais pas besoin de me cacher. Ces flammes ne vont pas assez loin. C'est dans la continuité du premier, hein, de rajouter une P1, P2, P3 au boss. Ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, faut s'adapter à divers gameplays et appréhender de différentes manières au fur et à mesure que le combat progresse et évolue. Ça, c'est vraiment un putain de point positif. Il a l'air d'emmagasiner la chaleur. Ah ouais, non, je peux toujours pas la faire. Hein. Oh, la musique est incroyable. Par contre, c'est bientôt l'heure de la transcendance. Oh oui, ça y est, je peux faire une synchro. Pardon ? Mais c'est ultra stylé. C'est beaucoup trop classe. Wow, excusez-moi. Donc en fait, une fois que l'attaque synchronisée est activée, ça dépend aussi également en fait. Ça va dépendre sur la transcendance quoi. Vous pouvez faire autre chose que la simple contre-taillade de Cloud quoi. Ah, c'est le moment de vraiment tout lui mettre dans la gueule. Il est à peine un peu moitié vie sur une partie et il est trois quarts sur l'autre. Ça pue! Là on est en quoi? On est en P3 là? C'est bien parce que malgré les trois que vous prenez dans votre trio, les deux autres, en fait, même quand vous avez une full team derrière, en fait, ils sont là juste en support quoi, en fait, vous n'avez pas à les gérer et ils tapent. Bon allez, fini la déconne, hein. On va invoquer. Qu'est-ce qu'il est stylé. Il y a deux écoles, hein. C'est le Ifrit un peu, genre voilà, ce côté un peu humanoïde, ou vraiment l'autre qui fait vraiment effet chimère, mais les deux sont aussi classe l'un que l'autre. Après je vous cache pas qu'après avoir vu le Ifrit de Clive dans FF16, très dur à battre celui-là. Tous les Final Fantasy ont des chara-design au niveau des chimères, ou des primordiaux, appelez-les comme vous voulez, qui sont quand même tous assez épiques quoi. Pas quand même qui meurt. J'ai dû la voir venir cette attaque. Elle a piqué. Hein. Ah, la contre-taillade quand même. C'est clairement quelque chose d'épique ça. Bon, on est encore très loin du Omni-Slash, mais... ça fait son petit charme. Il a changé de couleur.
Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a une barre d'action qui est utilisable, on peut quand même faire les sorts d'Ifrit, peu importe qui l'a invoqué. Très classe la limite. Ah, la limite break de Red 13 franchement est très classe. Et bien entendu, avant que Ifrit disparaisse, sa plus grosse attaque en guise de signature. Ah, le combat est fini. Pourtant, il lui restait de la vie. Bon, bah écoutez, quoi qu'il en soit, vu que le combat est fini, je pense que voilà, l'animation en découle pour que, en fait, il reste encore actif et qu'on voit cette cinématique. Je vais donc vous laisser là-dessus si le combat ne reprend pas, en espérant que ce test gameplay découverte de FF7 Rebirth vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Je vous dis portez-vous bien tout le monde, et à ciao! Thank you.